Ouais, quand on déniche des vieux bouquins dans des bibliothèques anciennes, on peut mettre le nez dans les pages et il y a un parfum d'humus. Un vieux bouquin sans l'humus, ça c'est sûr, hein. C'est un retour aux sources. À la source du livre. Le livre est attaché au végétal. Donc derrière toutes ces feuilles blanches, il y a des feuilles vertes. Quand on a édité un bon bouquin, il devient une montagne à gravir.